personnes qui étaient là peuvent nous rappeler ce qu'on avait vu. I don't know if the people that were there could remind us what we spoke about two Sundays ago. So, do you want me to just say the music? Yeah. Okay. So, two Sundays ago, we shared about how there are two sorts of temptations. And what we focused on was the temptations that come from the devil. Mm-hmm. So, we were sharing from, I think, Luke chapter 4, mm-hmm. if I'm not mistaken. Mm-hmm. And we were talking about how there are three spheres in which the devil tempts you from. Mm-hmm. The first sphere is the fleshly sphere, so mm-hmm. he will tempt you based on your fleshly desires. Mm-hmm. The second one was, I think, material things, so the things of this world. Mm-hmm. And we were talking about how the devil tempted our Lord Jesus Christ and showed him the world, like, he presented him the world, like, you can have all of this if you just bow down to me. Mm-hmm. And the third one, I think, was based on your faith, which is the last one. Mm-hmm. And that's what we shared two Sundays ago. Ouais, c'est bien ça. That's exactly what we spoke about. Donc, on va continuer, toujours dans le même sens. So we're going to continue in the same path. On va lire dans Jacques, chapitre 1, we're going to read in the book of James, chapter 1, le verset 12 à 15. Verse 12 to 15. Jacques 1, verset 12 à 15. James 1, verse 12 to 15, the Bible says, Blessed is the man that endured temptation, for when he hath been approved, he shall receive the crown of life, which the Lord promised to them that love him. Let not man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempted no man. But each man is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. Then the lust, when it hath conceived, beareth sin. And the sin, when it is full grown, bringeth forth death. Béni est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc nous allons encore parler de la tentation, so we're going to speak again about temptation. Mais cette fois-ci, on va voir l'autre aspect. However, this time we're going to see the other aspect of temptation. Comme on nous l'a résumé tout à l'heure, like it was summarized for us not long ago, la première source de tentation, c'est le diable. The first source of temptation is the devil himself. Et on l'a vu avec le Seigneur Jésus dans Matthieu 4 et and dans Luc 4. With the, Jesus Christ our Lord in Matthew chapter 4 and in Luke chapter 4. Et Satan, on l'appelle le tentateur. And Satan, we call it the tentator. C'est lui qui nous pousse au péché. That's the person that pushes us to sin. Mais Satan n'est pas la seule source de la tentation. However, the devil isn't the only source of temptation. La deuxième source, what is the second source? C'est notre propre convoitise. It's our own lust. Et ici, c'est intéressant ce qu'on va dire. And here it's really interesting what we're going to say. Parce que souvent, les gens vont dire, because sometimes people tend to say things like, non, c'est les démons qui m'ont attaqué. No, it's demons that attacked me. C'est le diable qui m'a tenté. It's the devil himself that attacked me. Mais parfois, ce n'est pas le diable. However, sometimes it's not the devil. Parfois, c'est notre propre convoitise. Sometimes it's our own lust. Et vous savez quoi? And you guys want to know what? On est beaucoup plus tenté par notre propre convoitise que par le diable. We're really more tempted by our own lust than by the devil. Parce que dans Luc 4, on nous dit que quand Satan a tenté Jésus, because in Luke chapter 4, it tells us that when the devil tempted Jesus, Jésus l'avait chassé, Jesus cast him out, et la Bible dit bien qu'il, and the Bible says precisely, que le diable l'a laissé pour un temps. That the devil left him for a time. Donc il y a un temps où le diable s'éloigne de nous. So there's a time where the devil goes away from us. Mais par contre, however, la propre convoitise, our own lust, est tout le temps là. Is always there. Parce que le diable, on peut le chasser. Because the devil, we could cast them out. Mais la chair, however, the flesh, on ne peut jamais chasser notre propre chair. We can never cast out our own flesh. Parce que tout le temps, la chair est là. Because 24/7, our flesh is with us.
Et vous savez tous que malgré qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, we all know that, how even though we accepted Jesus Christ as our Savior, our Lord and Savior, notre chair n'a pas changé. Our flesh didn't change. La preuve en est que tu as toujours le même visage. What is the proof? The proof is that we still have the same faces. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, voilà, moi, quand j'ai accepté Jésus, mon visage a changé. My face changed. Je mesurais 1m90, maintenant, je mesure 1m60. I was 190 centimeters, and now I'm 160 centimeters. J'avais des longs cheveux. Le jour où j'ai accepté Jésus, j'ai perdu mes cheveux. I had long hair, but the day I accepted Jesus, I lost all my hair. Non. No. Notre esprit a été transformé. Our spirit has been changed. Notre âme est en processus de transformation. Our soul is in the process of transformation. Mais notre chair est restée intacte. However, our flesh is still there. Donc, on voit ici Jacques qui nous présente l'autre source de tentation, so qui est here, James la chair. Us the other source of temptation, which is our flesh. Parce qu'il dit que Dieu ne peut pas être tenté. Because he says that Jesus Christ cannot be tempted. I mean, God cannot be tempted. Et Dieu ne tente personne. And God does not tempt anyone. Mais quand on est tenté, however, when we're tempted, c'est par notre propre convoitise. It's because of our own lust. Le mot convoitise ici signifie désirer l'interdit. The word lust here means to desire things that are restricted. C'est ça la convoitise. That's lust. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 5, il dit, that's why Jesus in Matthew chapter 5 says, vous avez entendu dire qu'il a été dit, you guys heard said that it was said, tu ne commettras point d'adultère. You will not commit adultery. Mais moi, je vous dis, however, I tell you guys, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, if someone looks at a woman to lust, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. He already committed adultery in his heart. Là aussi, Jésus parle de la convoitise, c'est-à-dire de la chair. Here too, Jesus Christ speaks about lust, which means flesh. Maintenant, Jésus nous donne un indice. Now, Jesus Christ gives us a clue. Il fait un lien entre la convoitise et la vue. He does a connection between lust and seeing. Donc, par là, nous comprenons que notre propre chair nous tente au travers des cinq sens. So here we understand that our own flesh, notre propre chair nous tente au travers des cinq sens. Oh, so here we see that our own flesh tempts us by our five senses. La vue, sight, l'ouïe, les oreilles, hearing, le goût, taste, la peau, le toucher, touch, l'odorat. And by smelling. Donc par nos cinq sens, so la chair nous tente. Our flesh tempts us. Donc la convoitise ici, c'est tout simplement la chair. So lust here is just our flesh. Alors, il y a des synonymes ou des mots qui veulent dire la même chose dans la Bible. There's synonyms in the Bible that means the same thing. Par exemple, la convoitise égale la chair. Lust equals flesh. La chair égale aussi le cœur de l'homme. Flesh equals also the heart of a man. Alors, quand la Bible parle du cœur, so when the Bible speaks about heart, il faudrait comprendre qu'il ne s'agit pas de l'organe physique. We need to understand that it doesn't mean the physical organ. Mais c'est plutôt l'âme ou la chair. But it's mostly like our soul or our flesh. C'est ça le cœur de l'homme. That's the heart of a man. Et la Bible dit dans Romains, in the book of Romans, tous ont péché, everyone sinned, et n'atteignent pas la gloire de Dieu. And cannot reach the glory of the Lord. C'est-à-dire, tout le monde est né dans le péché. It means that everyone is born in sin. Depuis la chute d'Adam et Ève, ever since Adam and Eve, nous sommes tous nés pécheurs. We are all born sinners. Il n'y a pas une personne qui peut dire, moi je suis né enfant de Dieu. There's not a person that can tell you I'm born child of God. Même si tu es né dans une famille chrétienne, even if you're born in a Christian family, tu es quand même né pécheur. You're still born sinner. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, ah, parce que je suis né dans une famille chrétienne, je n'ai jamais été dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, in sex, donc je suis pur. So I'm holy. C'est faux. Pure. It's false. Regardez ce que la Bible dit, on va lire ça rapidement dans Psaume. Let's look at what the Bible says. We're going to read it quickly. Dans Psaume. In the book of Psalms. Juste pour appuyer ce qu'on dit. Just to strengthen what we're talking about. Psaume 51. Psalm chapter 51.
Quelqu'un peut nous lire le verset 7? Could someone read us verse 7? The Bible says, purify me with the hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Verset 7, c'est ça? Oui, c'est 51? 51, oui. Ok, voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est peut-être en plus bas. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Donc ici c'est David qui parle. So here it's David that is speaking. On sait que David n'était pas né dans une famille païenne. On est d'accord. We know that David wasn't born in a pagan household. David était né en Israël. David was born in Israel. De la tribu de Judas. The tribe of Judas. Mais malgré cela, David dit, je suis né dans le péché. However, David still said that I'm born in sin. Or, quand on regarde la vie de David, il n'était pas forcément un drogué, un alcoolique. Il n'était pas un sorcier. He wasn't a sorcerer. Mais il est né dans le péché. However, he was still born in sin. Maintenant, à cause de notre nature pécheresse, but now because of our sinful nature. Nous sommes tout le temps tentés. We're always tempted. Même si tu es converti. Even if you're converted. Donc la conversion ne nous exempte pas de la tentation. So being converted doesn't mean that you're exempt from temptation. Maintenant nous allons voir c'est dans quoi que la chair nous tente. Now we're going to see in what the flesh tempts us. Et nous sommes tous concernés ici. And we're all concerned here. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que that's why not long ago I was saying, le diable peut nous tenter. The devil could tempt us. On peut le chasser au nom de Jésus. We could cast him out in the name of Jesus. Mais on Christ. Peut jamais chasser la chair. However, we can never cast out the flesh. On peut juste crucifier la chair. We can only crucify our flesh. C'est ça qu'on peut faire. That's the only thing we could do. C'est pourquoi dans Galates, on va lire Galates. That's why in the book of Galatians. Au chapitre 5. Chapter 5. On connaît bien ce passage-là. Yeah. Scripture. Avant ça, on va lire Galates 2. Before that, we're going to read the book of Galatians, chapter 2. Le verset 20. Verse 20. Quelqu'un peut, tu peux le lire? Yeah, Galatians chapter 2, verse 20. The Bible says, I have been crucified with Christ. And it is no longer I that live, but Christ lives in me. And that life which I now live in the flesh, I live in faith. The faith which is the Son of God, who loved me and gave me himself, and gave himself up for me. Voilà. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc Paul est en train de dire, so here Paul is trying to tell us, je suis crucifié. That I'm crucified. Ça veut dire que c'est en permanence. It's in permanence. Ça veut dire que tout le temps, it means that 24/7, je dois toujours crucifier ma chair. Parce que le jour où je vais oublier de crucifier ma chair, c'est ce jour-là que la chair va prendre les déçus. Voilà le plus grand combat spirituel. That's the biggest spiritual combat that we have as Christians. Parce que because beaucoup de gens, quand on parle du combat spirituel, a lot of people, when they speak about that spiritual combat, ils vont tout de suite voir d'abord les démons. All of a sudden they see demons. Alors que les démons ont déjà été vaincus à la croix. However, demons have already been defeated on the cross. Mais la chair, on however, doit la vaincre tous les jours. However, the flesh, we have to defeat it every single day of our lives. Donc si tu sais par exemple que toi ton problème c'est les calomnies par exemple. So if you know for instance that your problem is gossiping for instance. C'est-à-dire avant ta conversion tu étais dans les calomnies.
It means that before converting, you always used to gossip about people. Et une fois que tu t'es converti, and all of a sudden you're converted, tu ne dois jamais oublier que c'est là que tu seras le plus tenté. You have to never forget that gossip is that aspect in your life where you're going to be tempted the most. Si tu sais que toi, ton problème, c'était l'ivrognerie. If you know that you, your problem was getting drunk. Malgré que tu es converti, tu dois toujours être conscient que c'est là que l'ennemi viendra, c'est-à-dire c'est là que la chair, ta chair, va te pousser encore. Although you're converted, you need to know that that's your weakness, where your flesh is going to push you to always try to get drunk. C'est ça que Paul dit dans Galates 5, qu'on va lire maintenant. That's what Paul says in the book of Galatians, chapter 5. Il dit à partir du verset 16, if we're starting from verse 16, the Bible says, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. But I say, walk by the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Donc il est en train de dire ici, crucifiez la chair. So here he's saying to crucify your flesh. Parce que marcher selon l'esprit signifie aussi crucifier la chair. Because walking in the Spirit also means to crucify your own flesh. Si ta chair est crucifiée, if your flesh is crucified, ben elle est morte. It means it's dead. Donc elle ne peut pas agir. So your flesh cannot act. Mais si ta chair est vivante, however, if your flesh is still alive, elle va agir. It's still gonna act. Et comment est-ce qu'elle va agir? And how is it gonna act? Ça, on va voir ça plus loin. That we're gonna see further down. Au verset 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. How are we gonna find out? Verse 17 tells us, for the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are contrary the one to the other, that ye may not do the things that ye would. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. But if ye are led by the spirit, ye are not under the law. Maintenant, verset 19, Paul nous dit, now, verse 19, Paul tells us, il explique que si notre chair est encore vivante, he explains that if our flesh is still alive, elle va agir. Our flesh is going to act. Maintenant, comment elle va agir? Now, how is it going to act? Il dit, car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous ai prédit, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. And how do those things act is through, now the works of the flesh are manifest, which are these: fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousies, wrath, factions, divisions, parties, envying, drunkenness, rebelling, and such like, of which I forewarned you, even as I did forewarn you, that they who practice such things shall not inherit the kingdom of God. Donc ici, Paul est en train de dire quoi? So here, what is Paul trying to tell us? Il parle de la manifestation de la chair. He's speaking about the manifestation of the flesh. Il parle pas des manifestations des démons ici. He doesn't speak about manifestation of the devils, your demons. Il parle de la manifestation de la chair. He speaks about of the flesh. Donc on comprend que d'un côté, il y a le diable. So we understand that one side there's the devil and his demons. Et de l'autre côté, il y a la chair. And the other side of the scale is flesh. Le diable et ses démons ont été vaincus à la croix. The devil and his demons have been defeated on the cross. La chair aussi a été vaincue à la croix. The flesh also has been defeated on the cross. Mais elle doit être maintenue dans la vie, c'est-à-dire elle doit être maintenue dans cet état-là de faiblesse. However, it has to maintain in that state of weakness. C'est pourquoi Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. That's why Paul says that when I'm weak, I'm strong. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? What did he mean by that? Il disait que si ma chair est faible, he was saying that if his flesh is weak, si je maintiens ma chair dans la faiblesse, if I'm able to maintain my flesh in weakness, c'est alors que je suis fort en Christ. So then I'm strong in Christ. Parce que si ma chair est forte et vivante, because if my flesh is strong and alive, ben je suis dans l'échec. Then I'm failing. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. When I'm weak is when I'm strong. On a l'impression qu'il s'est contredit. We have the impression that he's contradicted. Parce que quelqu'un qui est faible n'est pas fort. Because someone that is weak is not strong. Mais Paul disait que quand ma chair est maintenue dans la faiblesse, however, c'est alors que la vie de Jésus va se manifester en moi. When the,
the life of Jesus Christ is going to manifest in your life. Donc souvent la vie de Jésus ne se manifeste pas en nous. Pourquoi? So sometimes why does the life of Jesus Christ not manifest in our life? Parce qu'elle est étouffée par la vie charnelle. It's because it is choking by our carnal life. It is choked by our carnal life. C'est pourquoi on a vraiment un combat terrible. That's why our combat is really terrible. Tous les jours. Every single day of our lives. Tu vas voir comme ça, tu arrives quelque part. You're going to see that you arrive somewhere. Tu vois des gens qui te regardent mal. You see people that give you a rude eye. Si ta chair est encore vivante, if your flesh is still alive, tu peux haïr ces gens-là juste parce qu'ils t'ont mal regardé. You can hate those people just because they looked at you a certain way that you didn't like. Ça veut dire que ta chair est encore vivante. It means that your flesh is still alive. Ah, tu as vu cette personne-là? Or did you see that person? Elle ne m'a même pas salué quand je suis passé à côté d'elle. That person didn't even greet me when I walked past them. Donc moi aussi, je ne vais plus jamais la saluer. So I came to a conclusion that I'm never going to greet that person again in my life. Ça veut dire que ta chair est encore en vie. It means that your flesh is still alive. T'as vu cette sœur là? Did you see that sister? Elle ne m'a même pas regardé. She didn't even look at me. She didn't even blink my way. Donc moi aussi, je ne vais plus la regarder maintenant. So I'm not going to look at her no more. La chair est encore en vie. That means your flesh is still alive. Ah, telle personne m'a offensé. Or this person offended me. Je ne lui pardonnerai jamais. I will never forgive that person in my life. La chair est encore en vie. It means your flesh is still alive. Wow, regarde-moi cette fille là. Wow, look at that girl. Ah, elle est tellement jolie. She's so beautiful. Il faut qu'elle m'appartienne. She needs to belong to me. La chair est en vie. Flesh is still alive. Wow, regardez cette voiture, cette maison. Wow, look at that house, look at that car. Moi aussi, je dois avoir pareil. I need to have that exact house, that exact car. La chair est encore en vie. The flesh is still alive. Vous voyez un peu les exemples que je donne? You guys see the examples that I'm giving you guys? C'est les manifestations de la chair. That's the manifestation of the flesh. La solution, c'est quoi? What is the solution, you may ask? C'est de crucifier la chair. It's to crucify your flesh every single day. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, that's why Jesus Christ said, si quelqu'un veut me suivre, if someone wants to follow me, qu'il se charge chaque jour de sa croix. He needs to carry every single day his cross. Donc chaque jour, so every single day, notre première préoccupation, our first duty or first priority, ne doit pas d'abord être de prier pour recevoir des choses de la part de Dieu. Should not be to pray to receive things from God. Mais ça doit être d'abord de crucifier notre propre chair. But it has to be first to crucify your own flesh. D'où l'importance de connaître d'abord ses faiblesses aussi. That's why it's important to also know your weaknesses. Si je sais que moi mes faiblesses c'est le manque du pardon. If I know that my weaknesses is the lack of forgiveness. Vous savez ce que le diable ou la chair va faire? You know what the devil or the flesh is going to do? En fait, je vais souvent me retrouver dans des situations conflictuelles. I'm going to find myself in situations where there's a lot of conflict. Parfois, indépendamment de ma volonté. Sometimes without my will. Les gens vont venir pour m'offenser. People are going to come to try and offend me. Pour provoquer en moi la haine. To provoke that hatred in me. Et la haine peut amener au meurtre, ça and peut amener à beaucoup de choses. To death and to a lot of bad things. Et si maintenant nous essayons de voir un peu certains points ici de ce que Paul élabore. And if we try to look at certain aspects or points that Paul is speaking to us about. Il dit, car, verset 19, car les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère. He said that now the works of the flesh are manifest, which are fornication. Donc ici, Paul est en train de dire que la chair aime l'adultère. So here Paul is saying that the flesh loves fornication. Ça veut dire qu'une personne qui est déjà mariée, it means that a person that's already married, mais cette personne-là convoite une autre femme ou un autre homme. Lusting someone, another woman. C'est la chair qui aime ça. It's the flesh that loves that. Et quand vous vérifiez le terme en grec, so, and when you verify that terminology in Greek, le mot adultère, the word fornication or adultery, ça signifie fornication. It means fornication. Ça signifie aussi zoophilie. It also means zoophilia. Les personnes qui ont des rapports avec des animaux. The people that have relations with animals. Ça signifie aussi homosexualité, lesbianisme. It also means homosexuality and lesbianism. Ça signifie aussi rapport sexuel avec des divorcés. It also means relations with people that are divorced. Ça signifie aussi relation sexuelle avec les proches parents. It also means
Inceste, oui. Et ça signifie aussi l'idolâtrie, c'est-à-dire les personnes qui ont d'autres dieux. It also means idolatry, people that have other gods. Le terme en grec, c'est porneia. The term in Greek is porneia. Ça signifie tout ça. It means all those things. Et la chair aime toutes ces choses-là. And the flesh loves all those things. C'est pourquoi vous voyez même ici au Canada, that's why you see, even here in Canada, vous voyez beaucoup de scandales par rapport aux agressions sexuelles. Hein. There's a lot of scandals about sexual harassment. Même dans les milieux politiques. Hein. Even in the political part. Parce que la chair aime ces choses-là. Because the flesh loves those things. Ensuite, il parle de la fornication qui est pareil aussi, qui rentre dans c'est le même terme. After that, he goes with fornication. Et ensuite, il dit l'impureté. Then after he says uncleanness. L'impureté ici, c'est vraiment la malpropreté. What uncleanness here means, la saleté. It means dirt. La chair aime la saleté. Flesh loves dirt. C'est pourquoi beaucoup de certaines personnes ne prennent pas soin d'elles. That's why a lot of people don't take care of sur le plan physique. In the physical aspect. Même dans le lieu où ils vivent. Even in the place where they live. Il y a la saleté partout. There's dirt everywhere. Et la Bible dit que c'est des œuvres de la chair. The Bible says that it is works of the flesh. Parce que l'être humain lui-même est tiré de la poussière. Because human being itself is made by dirt. Ensuite, il parle de l'impudicité qui rentre aussi dans la fornication adultère. Fornication, c'est pareil. Verset 20, l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, ce n'est pas seulement quand on se met à genoux devant une statue. C'est tout ce qui prend la place des dieux. Donc, même mon téléphone peut être une idole. Even my phone could be an idol. La télévision peut être une idole. My TV could be an idol. Les vêtements peuvent être une idole. Even the clothes I wear could be my idol. Je sais pas si vous avez suivi cette semaine. I don't know if you guys saw this week. On était vraiment étonnés. My wife and I were really shocked to see. On regardait les nouvelles, on a vu en France. We were watching the news and we see that in France. Les gens se sont battus dans les supermarchés. People were fighting in the pour du Nutella. Parce qu'ils avaient fait un rabais, une réduction. C'était la folie dans les supermarchés. It was le Nutella. Quand je regardais ça là, je me disais, mais est-ce dans un pays pauvre, dans un pays du tiers-monde? Les gens se battaient pour du Nutella. Tout mélangé, noir, blanc, mélangé. Il y a même whatever, black, un des gens qui disait dans la vidéo, les gens sont fous. Even, there was a guy even saying in the video that people are crazy. Et même le gouvernement a interdit ces gens. Oui, la police a dû intervenir même. Even the police have to come and the government had to say that they shouldn't have sales like that ever again. Ils ont interdit, hein. Il y a eu une réunion des ministres. Ouais. Le ministre a interdit. The prime minister. The prime minister ouais. Banned that people should, that store should have sales like that because ouais. Of all the craziness that was happening. C'est l'idolâtrie, ça. That's idolatry. Juste oui. C'est grave. So, crisis, poverty. Donc l'idolâtrie, c'est aussi une œuvre de la chair. So idolatry is also a work of the flesh. Tout ce qui prend la place des dieux est une idole. Everything that takes God's spot or space is an idol. Maintenant, chacun de nous doit voir maintenant à quel niveau il est où elle est idolâtre. Now all of us have to see at what level are we ensuite, il dit la sorcellerie. And then afterwards, he says sorcery. Et je lis le commentaire ici, ils disent du grec pharmakeia, usage ou administration des drogues. And c'est ça que ça veut dire, la sorcellerie, en premier. Sorcery means to use drugs. Donc les gens qui utilisent des drogues, ils s'ensorcellent. So the people that are using drugs are sorcerers. They're killing themselves. C'est la sorcellerie. Prendre des drogues. Et ensuite, ils disent empoisonnement, sorcellerie, art magique, souvent trouvé en liaison avec l'idolâtrie et nourri par celle-ci.
Donc la sorcellerie, c'est à la fois l'utilisation des drogues, intoxication, tout ça, art magique. C'est pourquoi tu voyais ici par exemple, on légalise le pot. Parce que la chair aime cela. Because the flesh loves that. On continue. If you go further down, the Bible les says, inimitiés. Enmities. Ici, inimitié signifie la haine. Here, enmities means hatredness. Et dans la haine, and in the hatredness, nous voyons aussi le racisme, we see racism, le tribalisme. We see, tribalism. C'est pourquoi vous voyez même dans les églises, that's why you're going to see sometimes, even in churches, il y a le racisme, il y a le tribalisme. There's people that follow their tribalism. Il y a ce que moi j'appelle le racisme spirituel. That's what I call the spiritual racism. Vous savez, moi je suis pentecôtiste. I'm Pentecostal. Eux ils sont des baptistes. They're Baptist. Mais pourtant les deux ils croient en Jésus. However, both of them believe in Jesus. Et la Bible dit dans Ephésiens 2 and the Bible says in the book of Ephesians, que Jésus a brisé l'inimitié. That Jesus Christ broke the enmities. Mais le racisme spirituel a rétabli l'inimitié. However, the spiritual racism brought back enmities. La Bible dit clairement qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. The Bible says clearly that in Christ, there's no Jews, there's no Greeks. Mais les hommes ont rétabli l'inimitié sur le plan spirituel. However, man reestablished the enmities in the spiritual level. Avec les dénominations. With denominations. Avec les religions. With religions. Il y a aussi le racisme physique. There's also the physical racism. Moi, je suis noir, je n'aime pas les blancs. I'm black, I don't like white people. Je suis blanc, je n'aime pas les noirs. I'm white, I don't like black people. Je suis asiatique, je n'aime pas les gens de tel coin du pays. I'm Asian, I don't like people from this part of the country. Je suis de telle tribu, je n'aime pas les gens de telle tribu. From this tribe, I don't like people from that tribe. Ça, c'est le tribalisme, c'est l'inimitié. That's tribalism. It's enmity. Ça aussi, la chair aime cela. That also, the flesh loves it. Quand on est chrétien, on ne peut pas dire je suis de telle tribu. When we're Christians, we can't say I'm from this tribe. On va le dire par rapport à nos identités, oui. We're going to say based on our identities, yeah. Et je suis Canadien, je suis de telle tribu, peut-être, oui. Canadian, I'm from this tribe, yeah, we can say that. Mais cela ne doit pas définir notre conduite. But that doesn't have to define our conduct. Il continue, il dit les querelles. Les querelles ici, c'est vraiment les disputes. Les débats. C'est-à-dire quand on est en querelle, tout ça, on se dispute. When we're arguing. De manière charnelle. In a carnal way. La chair aussi aime cela. C'est une œuvre de la chair. Les jalousies. Jealousies. Jalousie ici, c'est vraiment l'envie. Jealousy here is to envy something. Qu'une personne est bénie. That a person is blessed. Mais moi, je ne veux même pas féliciter la personne. Myself, je me sens person. Mal à l'intérieur my de moi. Really hurts. Ah non, pourquoi seulement elle? Why only that person? Why pourquoi not seulement he? Lui? Why him? Et puis je me fâche. And I start getting angry. C'est la jalousie. That's jealousy. C'est une œuvre de la chair. It's a work of the flesh. Donc il faut crucifier la jalousie so aussi. We need to crucify jealousy also. Maintenant, on sait qu'il y a la jalousie selon Dieu. Now we know that there's jealousy based on God. Ça c'est une bonne jalousie. That's a good jealousy. Parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Because the Bible says that God is a jealous God. Dans le sens où il nous a rachetés. In the sense of where he captured us. Il ne veut pas qu'on appartienne à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la jalousie de Dieu. That's the jealousy of God. Mais il y a aussi la jalousie de la chair. But it's also jealousy of the flesh. C'est-à-dire, mais quelqu'un n'a pas péché, quelqu'un est béni. Sometimes someone did not sin, someone is blessed. Mais moi, je ne suis pas content. But I'm not happy for him. Et je commence à critiquer la personne. And I start to criticize that person. Je commence à calomnier la personne. I will start gossiping about that person. Ça aussi, il faut crucifier cela. That also need to crucify that. Il continue. And he continues les animosités. He says rats. Les animosités, c'est la colère extrême. Rats is, right. Is, rat is extreme anger. On sait aussi qu'il y a la colère des dieux. We also know that there's that anger from God. Parce que la colère en soi n'est pas un péché. Because being angry is not a sin. Mais l'animosité est un péché. Animosity is parce que l'animosité, c'est une colère sans raison. Because animosity is anger without a reason.
je me mets en colère contre quelqu'un, I'm angry against someone, alors que la personne ne m'a pas offensé. However, the person did not offend me. Ça, c'est l'animosité. That's an animosity. Mais par contre, si quelqu'un m'offense, however, if someone offends me, si je me mets en colère, c'est pas forcément un péché. If I get angry, it's not forcibly a sin. Mais ici, l'animosité, c'est vraiment une colère sans raison. However, here, animosity is a anger without a reason. C'est aussi une œuvre de la chair. It's also a work of the flesh. Ensuite, il dit les disputes. Further down, he also says factions. Les disputes aussi sont une œuvre de la chair. Factions are also a work of the flesh. Maintenant, j'ai vérifié ici le mot dispute en grec. I verified here the word factions in Greek. Et ça signifie propagande électorale. And it means electoral propaganda. La partisanerie. C'est-à-dire un peu comme les politiciens. It's like, you know, like politicians. Donc nous sommes des libéraux et ce sont des conservateurs, the liberals, par exemple. Et là, voilà, il y a une inimitié. C'est-à-dire, je défends l'idéologie de ma partie. De mon parti. My party. Et vous allez voir que les gens sont prêts à corrompre. Parce qu'ils veulent défendre l'idéologie de leur parti. That knowledge of their party. Ensuite, il parle des divisions. Afterwards, he speaks about divisions. Voilà, donc nous, on est de gauche, vous êtes de droite, on ne se parle pas. Nous, nous sommes de tel coin, vous êtes de tel autre coin, on ne se parle pas. Les sectes. Les sectes aussi font partie des œuvres de la chair. Le mot secte signifie action de capturer. The word parties here means like the action of to capture. C'est-à-dire quand on veut contrôler les gens. It means when we want to control people. On devient sectaire. We become sectaire. Donc c'est comme si tu voyais les gens qui disent voilà moi je suis votre père spirituel par exemple. You know, people that say that I'm your spiritual father. Vous devez me suivre. You guys need to follow me. Ça c'est un esprit sectaire. That's a sectaire spirit. Non, avant de prendre des décisions, je dois être au courant. Before taking decisions, I need to be advised. Vous avez besoin de ma bénédiction avant de faire quoi que ce soit. You guys need my blessing before doing anything else. Ah non, parce que tu n'es pas dans mon église, tu n'es pas sauvé. Because you're not in my church, you're not seen. Viens dans mon église. Come in my church. Ça, c'est un esprit sectaire. That's a sectaire spirit. Et Jésus avait dénoncé ses propres disciples. And Jesus denounced all disciples. Quand ils ont vu quelqu'un qui chassait les démons mais qui n'était pas avec eux. Il continue, il dit les envies. He continues and says, 21. He continues and says, envy. C'est aussi la convoitise. Which is also lust. Les meurtres. He says, les meurtres ici, c'est les tueries, les génocides, les carnages. Les avortements, abortion, tout ça là, ça rentre dans ça. All those things going into that murder. L'ivrognerie. Drunkenness. Voilà, donc les gens qui prennent, qui vont s'intoxiquer. People that go and get themselves intoxicated. Et souvent ici le contexte que l'ivrognerie, c'est que les gens prenaient tellement, s'intoxiquaient tellement avec de l'alcool. Here, like, since back in the time, people used to intoxicate themselves with lots of et ça finissait par des orgies. And he used to finish with orgies. Ça aussi, c'est des œuvres de la chair. That also is works of the flesh. Les excès de table. Rebelling. Les excès de table ici, c'est aussi, ça rentre dans la même catégorie, les débordements. Category, to go overboard. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est pas fini, hein? It's not done. Parce que Jésus va en parler, on va lire peut-être deux passages pour finir. We're going to read two passages just to finish. Si on lit dans Marc 7, if we read in the book of Mark chapter 7, versets 20 à 23. Verse 20 to 23. On peut le lire. And he said, that which proceed out of the man, that defile the man. For
For from within, out of the heart of man, evil thoughts proceed, fornications, thefts, murders, adulteries, covetings, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness. All these evil things proceed from within and defile the man. Mais il leur disait, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, le regard envieux, les discours outrageux, l'orgueil, la folie. Tous ces mots sortent du dedans et souillent l'homme. Donc ici, Jésus nous fait comprendre que les tentations viennent du dedans. Mais le diable, quand il nous tente, ça vient de l'extérieur. However, the devil, when he tempts us, it comes from the outside. Du moins pour nous, les enfants de Dieu. For us, children of God. Donc la première source de tentation, c'est le diable. So the first source of temptation is the devil. Et le diable nous tente du dehors. And the devil tempts us from the outside. Et la deuxième source de tentation, and the second source of temptation, ça vient du dedans. It comes from the inside. C'est-à-dire de notre nature charnelle. It means from our carnal nature. Ou encore le vieil homme. Or the old man. Parce que la Bible nous parle. J'ai parlé des synonymes tout à l'heure. Because the Bible speaks to us, I was speaking about synonyms not long ago. Le cœur de l'homme. The heart of the man. Qui veut dire la chair. Which means the flesh. Qui veut aussi dire le vieil homme. Which also means the old man. Qui veut aussi dire l'âme. Which also means the soul. Ouais. Deuxième source, c'est quoi, pardon? C'est la chair. The second source is the flesh. Donc quelqu'un peut prier, peut dire, so someone can pray, they can say, voilà, je chasse le vol. Or I cast out, theft. Je chasse la cupidité. I cast out cupidity. C'est pas pour autant que la cupidité va partir. It's not because you cast it out that it's gonna leave. Je chasse les démons de l'impudicité. I cast out demons of adultery, of fornication. Ça, c'est pas pour autant que la personne ne sera plus tentée. It's not because of that that the person is not gonna be tempted ever again. Je chasse l'adultère. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. C'est pas pour autant que la personne ne sera plus tentée. La personne sera toujours tentée. The person will still be tempted. Donc la colère là, l'animosité là que tu as. Animosity that you have, tu peux beau chasser ça matin, midi, soir. Cast it out morning, evening, night, tu seras toujours tenté là. Will still be tempted. C'est pourquoi on ne peut pas dire à Dieu, that's why we can't tell to God, Seigneur, je ne veux plus être tenté. Oh God, I don't want to be tempted ever again. Non. No. On sera toujours tenté. We'll always be tempted in this. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? But what do we have to do? C'est quoi la solution? What is the solution, you may ask? C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. That's what I said not long ago. On doit crucifier la chair. We have to crucify our flesh every single day. Tous les jours, oui. Every single day. Et on va finir en lisant deux passages. On avait lu ça aussi le dimanche passé. Le dimanche passé. Hébreux chapitre 2. The book of Hebrews chapter 2. Hébreux chapitre 2. Verset 1 à 4. Hebrews chapter 2 verse 1 to 4. À partir du verset 14 à 18. From verse 14 to 18, the Bible says, since then the children are sharers in flesh and blood, he also himself in like manner partook of the same, that through death he might bring the now to him that had the power of death, that is the devil, and might deliver all them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. For verily not to angels doth he give help, but he gave help to the seed of Abraham. Wherefore it behooved him in all things to be made like unto his brethren, that he might become a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable,
et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient assujettis toute leur vie à la servitude. Car en vérité, il n'a nullement secouru les anges, mais il a secouru la postérité d'Abraham. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses des dieux, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. En effet, parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc ici, on nous fait comprendre que Jésus lui-même était tenté. Il a participé à la chair, c'est-à-dire la raison pour laquelle Jésus s'est fait chair, c'était pour subir les mêmes tentations charnelles que nous. Et le fait qu'il a vaincu les tentations de la chair, and the fact that he defeated the temptations of the flesh, il peut secourir ceux qui sont aussi tentés dans la chair. He can succour them that are also tempted by the flesh. Donc comme Jésus a vaincu la chair, so like Jesus, par la crucifixion, the flesh by crucifixion, nous aussi nous allons vaincre la chair par la crucifixion. Us too we need to defeat the flesh by crucifixion. Donc comment Jésus a vaincu la chair? So how did Jesus Christ defeat flesh? Il a été crucifié, on est d'accord. He got crucified, we all agree on that. Donc nous aussi, comment nous allons vaincre la chair? So us too, how are we supposed to defeat flesh? On doit aussi être crucifié. We also have to be crucified. Ben oui. Yeah. Et on va finir avec Hébreux 4. We're going to finish with Hebrews chapter 4. Versets 15 et 16. Verse 15 and 16. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en temps de besoin. For we have not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities, but one that hath been in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore draw near with boldness unto the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help us in time of need. Jésus a été tenté comme toi tu es tenté aussi. Jesus Christ has been tempted like all of us have been tempted before. Oui. Yeah. Mais il a jamais péché. However, he never sinned in his life. Et on nous invite à nous approcher du trône. And we're invited to approach the throne. Donc ça c'est maintenant la prière. So now that's the prayer. C'est-à-dire quand je prie, it means when we pray, Dieu me donne la force pour vaincre ma chair. God gives us the strength to defeat the flesh. Jésus dit dans Matthieu, Jesus says in Matthew, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Watch and pray so that you won't get tempted. Et il va dire la chair est faible. And he's going to say that the flesh is weak. Mais l'esprit est bien disposé. But the spirit is well disposed. Jésus a bien dit que la chair est faible. Jesus Christ himself that the flesh is weak. Donc, si toi tu penses que voilà, dans la chair, je suis Superman, so if you think that in your flesh is Superman, ben, tu te trompes. Then you're mistaken. On a besoin de nous appuyer sur Jésus pour vaincre. We need to hold on to Jesus Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose. I don't know if someone wants to add something. On va prier. So we're going to pray.